Oui, là. Gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il s'est mis à les instruire. Il disait : Heureux le pauvre des cœurs, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Gloire et louange à toi. Entre les mains de Dieu, que nous nous tournons vers
dans l'espérance chrétienne. Ainsi, nous supplions le Seigneur d'accueillir son serviteur chérubin dans sa félicité éternelle. Pour rappel, frères et sœurs, c'est le 13 juillet 2023 que le corps sans vie de notre regretté frère chérubin Okende a été retrouvé dans sa voiture alors que la veille, il avait été convoqué à la Cour constitutionnelle. Des révoltantes images de cette mort tragique qui avait fait le tour du monde avaient provoqué une indignation générale. Ainsi, durant près de 9 mois, la famille Okende s'est vue imposer un long deuil assombri par des questions demeurées sans réponse. Aujourd'hui, enfin, malgré la persistance des ombres autour des circonstances de cette mort, la famille peut conduire notre frère chérubin à sa dernière demeure. L'Église catholique, qui est son Église, qui l'entoure de sa sollicitude en ces temps difficiles, la compare aussi à surmonter cette épreuve et à poursuivre le projet d'une famille unie et heureuse auquel chérubin s'était consacré. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous venons d'écouter raffermit notre foi en la résurrection et nous invite à passer notre pèlerinage terrestre en pratiquant la justice, en faisant le bien, en aimant les autres. En effet, d'après les Écritures, le juste est avant tout un homme de foi. Son action en faveur de la justice au profit de ses frères et sœurs découle de la grâce de Dieu. Comme le déclare l'Épître aux Hébreux, Abraham eut foi en Dieu et il lui fit accorder d'être juste. Romains 4, 3. Mais c'est Jésus qui est le véritable modèle de la justice. Saint Pierre écrit à son sujet, car le Christ lui aussi a souffert pour le péché une seule fois. Lui le juste, il a souffert pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. 1 Pierre 3, 18. À la suite du Christ, les artisans de la justice risquent constamment leur vie en cherchant le bonheur des autres, en disant la vérité. Dans la première lecture, tirée du livre de la sagesse, l'auteur sacré affirme qu'en dépit des tourments et tribulations auxquelles elle demeure confrontée, la vie des justes est dans la paix de Dieu. Sagesse 3, 1. Cette lecture du livre de la sagesse rappelle
projet de Dieu pour l'humanité est celui de bonheur, est celui de l'immortalité. Sa providence signifie qu'en tant que maître de l'histoire, Dieu n'abandonne jamais sa création, encore moins ses enfants. Raison pour laquelle, même lorsque certains pourraient être portés à croire que la fin tragique d'un homme de bien, un homme juste, serait un échec, l'Écriture sainte nous révèle que Dieu, avec la sollicitude d'un père et la tendresse d'une mère, continue à le soutenir et à l'accueillir. Sa logique est tout autre, la pensée de Dieu est tout autre. Bien plus, ces textes du livre de la sagesse apportent un démenti formel contre tous ceux qui croient qu'après la mort, il n'y a plus rien, car Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde. Sagesse 4, 15. Dans la péricope de l'Évangile, selon saint Matthieu, que nous venons d'entendre tout à l'heure, Jésus nous donne les 8 béatitudes qui insistent à 2 reprises sur la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Et heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 10. Ainsi, dans leur unité articulée, les béatitudes nous apprennent que les artisans de paix cultivent en toute douceur la pauvreté du cœur et s'engagent au service de la justice en dépit de persécution. Là où certains pensent que le bonheur consiste à amasser des biens et des gloires et à en jouir, le juste partage et risque sa vie pour le bien, pour le bonheur de tous. De cette façon, les béatitudes encouragent les artisans de la justice à ne jamais céder à la peur devant les épreuves, mais plutôt à compter en tout temps sur le Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre frère Chérubin, malgré ses fragilités et ses limites, a cherché à vivre dans ce monde en homme juste. Père de famille attentionné, il a transmis à ses enfants des valeurs chrétiennes et humaines auxquelles lui-même croyait fermement. Fidèle catholique, il était engagé dans sa communauté paroissiale et s'était impliqué dans sa prise en charge en toute simplicité, en toute humilité. Plus d'une fois, on les a vus, lui, son épouse et ses enfants, pieds nus, balayant l'église, la maison de Dieu. Homme de prière et d'un profond respect pour le prêtre, il organisait la prière en famille. Homme politique de haute facture, Chérubin s'est nettement distingué de la médiocrité générale qui gangrène souvent l'élite de notre pays, la classe politique.
de notre pays. Chers enfants, votre peine, votre souffrance est sans mesure. Et vos questions demeurent sans réponse sont nombreuses. Depuis la tragédie, dans la nuit du 13 juillet, votre vie a basculé. Vous vous demandez, vous vous posez des questions. Comment en sommes-nous arrivés là? Vous vous demandez, pourquoi le Seigneur a-t-il permis cette tragédie? Et tant d'autres questions encore que vous continuez à vous poser. Mais hélas, vos questions, vos interrogations semblent se heurter à l'indifférence totale de ceux qui ont pourtant reçu la mission de protéger les personnes et de rendre justice. Votre souffrance les laisse indifférents. La conclusion à laquelle est parvenue l'enquête est la preuve suprême, s'il y en avait encore besoin, que la justice de notre pays est vraiment malade.
sa biso et sa lini. Baka makafeli ya munene. Babela kayango ramudina. Ombeli ya munene. Pe okamati yango opesi na moto azangi moto. Les conséquences seront dramatiques. Dès lors, on remet cette grosse machette, cet outil à tuer, entre les mains d'une justice qui est qualifiée de malade. Je ne sais pas combien de têtes seront coupées ici. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, cette célébration eucharistique nous offre l'occasion de nous remettre à Dieu, afin qu'il change mon cœur, nos cœurs de pierre, qu'il les transforme en cœur de chair, qu'il nous donne un cœur sensible à la souffrance des autres. C'est également l'opportunité pour nous, en tant qu'Église, de prier pour la famille de notre frère Chérubin, une famille qui est brisée. Et qui prendra du temps à se relever de cette épreuve. Puisse Dieu accorder à notre frère Chérubin Okende grâce et miséricorde, qu'il console et relève sa famille et ses proches de cette épreuve. Car nous avons cette certitude de nos foi que notre seule consolation, c'est le Seigneur. Amen. Pour implorer la miséricorde du Seigneur, afin qu'il puisse accueillir.